Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Cette présentation est le volet numéro 2 d'une série de 6 vidéos et de 3 directs dont le thème principal est la spiritualité terrestre et extraterrestre. Ensemble, nous menons une réflexion qui tentera de répondre aux questions de l'illumination terrestre et de l'intégration ou de l'ascension extraterrestre. Je vais vous proposer aujourd'hui une suite de 11 cours de méditation qui reprennent les techniques que je pratique depuis plus de 50 ans et qui sont celles que j'ai apprises lorsque j'étais moine de forêt. À ce propos, si vous souhaitez comprendre un peu mieux le contenu de cette vidéo, regardez d'abord la précédente, la vidéo numéro 77, qui est le volet numéro 1 de cette série. Mon travail de partage et de présentation de l'illumination exprime mon respect pour la vie sous toutes ses formes. 17 années d'intense méditation, 33 ans d'attente avant le processus de l'illumination et 40 ans de plus pour me retrouver ici et maintenant sur une vidéo sur YouTube en train de vous dire ces mots que vous écoutez. Ma méditation quotidienne, qu'elle soit passive en posture assise ou active pendant mes activités, est développée au point que j'en étais arrivée à être consciente pendant mon sommeil. C'était une sensation assez étrange, car la moitié de mon cerveau dormait pendant que l'autre l'observait. J'avais développé ma pratique comme un cycliste professionnel s'entraîne sur une piste à haute vélocité, à l'affût des moindres éléments à observer, capable d'adapter les techniques à mes propres besoins sans les altérer. J'évoluais à mon propre rythme, sans m'occuper du reste, pas après pas, toujours à rechercher l'illumination. Ce n'était pas une passion, c'était mon état d'être profond et ça l'est toujours. Mon cheminement spirituel pouvait être comparé à une escalade dans l'inconnu, à pieds nus, sur des pentes escarpées et sauvages, sans filet de sécurité. Au début, c'était un vrai manège de montagnes russes qui se déroulait comme une spirale. J'étais au cœur de la jungle sauvage, loin de toute civilisation, un lieu accessible uniquement par un chemin pédestre. En évoluant dans les méandres cachés de ma conscience, je créais un chemin au cœur de l'inconnu, une voie que d'autres peuvent dorénavant suivre. C'est celle que je vous propose de découvrir dans un ensemble de cours que je viens de mettre en place. Je suis Tim de Space News. Je vais vous parler aujourd'hui de ces cours que je viens de créer et qui commenceront le 21 septembre. Et je vais en même temps vous parler de ma toute nouvelle boutique qui est à la fois un site, car c'est en l'utilisant que vous pourrez vous inscrire. La page d'accueil a 8 onglets qui permettent d'accéder à différentes pages. En cliquant sur « Chaîne », vous pouvez accéder à la page expliquant comment devenir sponsor et les différents forfaits et souscriptions de manière claire et succincte.
Il y a de multiples moyens de rejoindre la communauté Space News. Par exemple, en s'inscrivant à la liste de diffusion, en s'abonnant gratuitement ou en rejoignant le groupe des sponsors et en achetant l'un des 6 forfaits proposés, ou en faisant partie du groupe d'alerte, en suivant des cours, etc. L'onglet « Livres » donne accès aux 5 livres que j'ai écrits, 3 en français et 2 en anglais, que vous pouvez acquérir depuis la boutique. Sous l'onglet « Collections », vous trouverez les collections d'objets en bambou, une collection blanche, une collection de cristaux naturels ou de météorites, une collection pour le rééquilibrage des chakras. En cliquant « Bijoux », vous verrez que certains sont personnalisés, par exemple un bracelet ou un collier avec un cœur, en or rose, en or jaune ou en argent, avec la phrase « de cœur à cœur ». Il en est de même pour les textiles. J'ai créé des t-shirts hommes, femmes et enfants, ou des sweatshirts et des sacs en toile avec les phrases « de cœur à cœur », « citoyen de l'univers » pour les vêtements hommes et « citoyenne de l'univers » pour les vêtements femmes, et « Homo Stellaris » pour les Star Seeds, en reprenant les couleurs de Space News. Les housses de coussins et d'oreillers ont « de cœur à cœur » d'un côté et « Homo Stellaris » de l'autre. En cliquant l'onglet « Cours », vous aurez accès aux inscriptions, soit à un cours, 11 cours, ainsi qu'au calendrier et au contenu des cours. Et une demande m'ayant été faite par un couple de sponsors, je rajouterai la possibilité d'acheter tous les cours du mois d'octobre d'un seul coup. Je vais revenir sur le contenu des cours d'ici quelques instants. Sous l'onglet « Entretien », vous avez la possibilité de réserver un entretien individuel ou de couple. Sous l'onglet « Contacts », vous pouvez m'écrire ou vous inscrire sur la liste de diffusion. L'onglet « Livraison et suivi » vous permet de suivre vos colis. Par exemple, en cliquant sur « Suivez votre colis » et en y tapant votre numéro de commande ou le numéro de suivi que vous recevez lorsque votre commande est expédiée, vous pouvez suivre votre colis étape par étape et voir votre destination sur une carte Google avec le rappel de votre commande en dessous. En cliquant sur « Recherche », vous pouvez faire une recherche dans la boutique. En cliquant sur « Connexion », vous pouvez vous connecter à votre compte ou en créer un. Enfin, en cliquant sur le panier tout à fait à droite, vous pouvez voir le détail de ce que vous y avez ajouté, finaliser votre commande et régler par PayPal ou par carte de crédit. Puis en descendant sur la page d'accueil, vous trouverez 5 autres catégories, portail, livre, article, famille et conseil. Et en descendant encore plus, vous trouverez encore d'autres choses. Revenons maintenant au cours de méditation. Voici le calendrier qui s'étale sur les mois de septembre, octobre et novembre, chaque semaine, chaque mercredi, à 20h. Dès que vous serez inscrit, vous recevrez le lien vers un salon sur la plateforme Discord où vous pourrez rejoindre les autres participants. Le premier cours aura lieu le 21 septembre, pendant lequel j'aborderai et décrirai le processus de l'illumination tel que je l'ai vécu et ses conséquences dans les jours et les mois qui ont suivi, ainsi que les transformations physiques, mentales, psychologiques et spirituelles qui sont intervenues à ce moment-là et qui ont perduré par la suite. Pendant le deuxième cours, j'expliquerai les techniques du moine de forêt et leur organisation, l'environnement, le temps de méditation,
les outils, le tapis et les vêtements. Le troisième cours présentera la méditation passive, debout ou assise. Le quatrième cours présentera la méditation active, en action ou en mouvement. Le cinquième cours abordera les cinq sens comme point d'observation et la perception dualisée. Pendant le sixième cours, nous parlerons des émotions, l'amour, la haine et comment maîtriser la peur et développer le détachement. Le septième cours abordera tout ce qui, chez l'être humain, est inné, intuitif ou ignoré, le sixième sens, la télépathie holographique, la vision pénétrante, l'écoute radar et la connaissance innée. Le huitième cours est un cours très important pour les personnes qui souffrent. Nous verrons comment la méditation peut être utilisée pour accompagner le traitement de certaines maladies ou les guérir, et je présenterai un exemple de guérison d'arthrose. Le neuvième cours révélera comment retrouver la vision que vous aviez depuis votre naissance et que vous avez peut-être perdue ou oubliée. Le dixième cours s'adressera aux Starseeds, aux Homo Stellaris et leur mission sur Terre en cette période transitoire. Finalement, le onzième cours présentera le concept d'intégration ou d'ascension extraterrestre et la manière dont ils les perçoivent. Voilà, j'espère vous accueillir très nombreux à ces cours, car ils ne se représenteront pas avant longtemps, car la prochaine série de cours sera consacrée aux différentes races extraterrestres et ils auront lieu en début 2023. Je vous retrouve très bientôt pour le troisième épisode de cette série sur la spiritualité terrestre et extraterrestre. Je rappelle les dates et heures des prochains directs sur YouTube, les 18 et 25 septembre à 17h pour les sponsors. En attendant, portez-vous bien, méditez et soyez heureux. Je suis Tim, l'un des porte-drapeaux d'une communauté planétaire. Je vous remercie et je vous salue respectueusement de cœur à cœur.